Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour le live du lundi. Et d'ailleurs, c'est un super thème ce soir. Je viens d'avoir la notification d'ailleurs sur mon téléphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain de Chronofit. Et en attendant, j'attends que les personnes se connectent. Une petite question, est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre des pouces ou oui en commentaire. Et une petite chose aussi, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que votre week-end a été plutôt reposant? Est-ce que c'était un week-end plutôt sportif? Ou peut-être un week-end où vous avez fait la fête? Forcément. Je vais juste enlever le son. Voilà. Il fait chaud. Un lundi en chaleur. Oui, il fait chaud. Kimlan nous dit oui. Donc, on entend super bien. Salut Kimlan. Bonsoir Marie-Paul. Alors, j'espère que votre semaine a bien débuté. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Bonsoir Laura. Marie-Paul qui nous dit oui. Marie-Paul qui vient de terminer sa séance à l'instant. Donc, elle a fait une séance assez tard ce soir. Bonsoir Daisy. Bonsoir Romain. Ok pour le son. Parfait. Et ben c'est parfait ça. Alain Code, bonsoir coach. Un bon lundi sportif. Super. Nickel. C'est bon. Et le week-end, j'espère qu'il a été bien aussi. Que vous avez passé un. Daisy nous dit super bon week-end. Parfait. Et j'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon week-end aussi. Bon. Allez, bon, on va pouvoir démarrer, débuter. Je vais vous expliquer le thème de ce soir, maintenant. Alors, c'est très simple. Pourquoi manger justement du chocolat? Pourquoi manger du chocolat va pouvoir justement vous aider à devenir mince? Donc, pourquoi manger du chocolat peut vous aider à devenir mince? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous expliquer ça ce soir. Laura qui nous dit Alain Claude félicité, le resto ça compte pas comme du sport, lol. Non, Alain Claude qui est venu ce matin à Chronofit et qui a fait sa séance très tôt d'ailleurs, qui a fait une séance d'électrostimulation et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, je suis très content. C'est moi qui l'ai coaché aussi d'ailleurs, pardon. Allez, c'est parti. Donc, je vais parler un petit peu du côté négatif comme d'habitude pour commencer. Vous, en général, vous avez. Pas tout le monde bien sûr, mais pour ceux qui sont fans de chocolat, vous avez envie de vous faire plaisir avec du chocolat, mais vous culpabilisez à l'idée d'en manger justement. Le point positif, c'est le meilleur programme alimentaire pour atteindre ces objectifs. C'est très simple, c'est celui que tu pourras maintenir sur le long terme. Et ça, c'est super important. Donc c'est pour ça que quand on fait un programme alimentaire, un rééquilibrage alimentaire, on s'adapte à chaque personne. Pour que justement vous puissiez le tenir sur le plus longtemps, vous pouvez le tenir le plus longtemps possible. C'est dans la régularité et les habitudes quotidiennes que tu pourras justement devenir plus mince. Alors, je vous explique un petit peu. Si par exemple tu manges 3 repas par jour, tu peux t'autoriser 10% de plaisir, d'où le chocolat justement. 10% de plaisir par semaine pour tenir sur le long terme et profiter. Justement de tes envies, donc le chocolat, sans culpabiliser et sans prendre du poids. Par exemple, sur 7 jours, donc on va faire 3 repas par jour et 21 repas par semaine, où tu peux avoir 2 repas plaisir dans ta semaine. Je regarde un petit peu les commentaires. Ok, non, je lirai après ces commentaires marrants, ça. Donc, la solution est très simple, c'est toujours, justement, si je prends un petit peu l'exemple des 21 repas sur la semaine, premièrement, ça serait bien de manger 19 repas équilibrés. Ok ? De deux, choisir des aliments de bonne qualité. On le répétera jamais assez. Je le répète toujours dans les lives au niveau de l'alimentation. Mais choisissez des aliments de bonne qualité. Le plus local possible et de saison. Donc, forcément, évitez les circuits courts. Et surtout pour les protéines, c'est les protéines de qualité qui vont être hyper importantes. Évitez un petit peu tout ce qui va être premier de prix,
pour justement avoir les nutriments nécessaires. Une troisième chose, de bien s'entraîner. Donc, entraîne-toi régulièrement en variant tes entraînements. Donc ça, nous, on s'occupe de ça. En tout cas, pour les gens qui ne sont pas encore inscrits, voilà les conseils qu'on peut vous donner à l'extérieur. Mais pour ceux qui sont inscrits, mais nous, on va justement varier un petit peu vos entraînements pour justement permettre au corps d'avoir un petit un changement et un petit choc au niveau des muscles. La quatrième chose, c'est augmenter ta dépense calorique en dehors de tes entraînements. Augmenter la dépense calorique en dehors des entraînements, ça veut dire quoi? Un exemple de, par exemple, marcher en plus des entraînements que tu fais chez Chronofit, de prendre l'ascenseur, de prendre les escaliers, de te lever un peu plus souvent lorsque tu es assis devant ton bureau sur la chaise. Donc, essaye de te lever au maximum, de trouver une excuse pour aller aux toilettes, par exemple, de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur, de marcher régulièrement pour aller d'un point A à un point B. Donc, ça, c'est hyper important. Mais en fait, voilà un petit peu les différentes solutions pour justement te permettre de finalement, toi, te faire plaisir, de ne pas créer de frustration, donc de ne pas culpabiliser, d'avoir ton petit plaisir, ok? Et en même temps, derrière, eh ben, tu essaies d'adopter des bonnes habitudes, des habitudes quotidiennes, sans pour autant avoir une approche extrême, mais toujours une approche raisonnée. Donc, manger tes 19 repas équilibrés, en te permettant des petits plaisirs, avoir tes aliments de qualité, de t'entraîner régulièrement en variant tes entraînements. Alors, oui, voilà, c'est ça. Et augmenter ta dépense calorique. Donc, ça ne demande pas non plus la mer à boire, comme on dit. Ah, bonne expression. Donc, c'est-à-dire que tu peux justement avoir ces bonnes habitudes. Donc, voilà un petit peu les différentes solutions que je peux t'apporter pour que tu puisses profiter un petit peu, et c'est-à-dire te permettre des petites envies sans pour autant culpabiliser et te frustrer. Je regardais un petit peu le dernier commentaire de Laura qui nous dit, non, de Alain Claude qui nous dit: Laura Larvine, bien sûr, pas de resto depuis début de semaine, séance électro à 6h30, exactement. Chocolat à son état naturel, brut, pas transformé, je suppose. Alors, de base, oui, pareil pour le chocolat. Quitte à prendre du chocolat de bonne qualité, c'est toujours mieux que prendre du chocolat transformé. Donc, bonne intervention à l'inclode. À l'inclode qui dit: moi, je marche, j'essaye de ne plus me garer devant Chronofit, c'est un bon début déjà. Ah, ça, c'est super! Donc, Alain Claude qui ne se gare plus devant Chronofit, donc qui se gare à l'extérieur pour qu'il justement il puisse venir en marchant chez Chronofit. Tu peux même venir en courant, Alain Claude, depuis Saint-François. Non, je plaisante. C'est un bon début déjà sur Saint-Denis. Trouver une place de parking pas loin de là où on veut aller relève de la chance aujourd'hui. Exactement. Donc, ouais, pourquoi pas justement. Avoir ses habitudes en plus. Donc, Alain Claude a amené ça dans ses habitudes. Donc, finalement, marcher un peu plus que trouver la facilité, se garer devant pour ensuite venir faire le sport. Même si derrière, bon, il fait son sport. Après, ce qui est bien, c'est que ça permet de l'échauffer. Donc, ça peut être pas mal aussi. Émilie qui nous dit: Alain Claude, félicité, tu dois te garer en haut comme moi. Donc, je pense que ça doit être la même chose. Nous aussi, les coachs, il faut savoir qu'on se gare à l'extérieur pour pouvoir marcher pour venir ensuite. Donc, on fait notre petit échauffement, comme ça, on est OP dans la journée. Moi, je viens à pied. Daisy, magnifique, elle vient à pied. Daisy qui n'habite pas très loin non plus, mais c'est bien de venir à pied. Super. Bon, mais je pense que vous avez compris un petit peu les habitudes à adopter. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, venez découvrir, venez faire une séance découverte chez nous. Pour les autres, n'hésitez pas à partager le live pour que d'autres personnes puissent regarder et avoir ces différents conseils qu'on n'hésite pas à donner chaque lundi, mercredi et vendredi, ou parfois d'autres jours, bien sûr. Et sur ce, moi, je vais vous laisser car demain, j'en vois d'autres à 6h du matin. Regardez juste quand même les derniers commentaires. Émilie Dupont, exactement, j'ai pris exemple sur toi, échauffement.
Daisy Alev, lol, ça compte pas toi. Bon, allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère que votre semaine va bien débuter, que vous allez avoir beaucoup de motivation pour faire votre sport, mais aussi pour le travail qui est important, et puis également avec vos proches, que ça va bien se passer. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt chez Chronofit. Et bonne semaine, on se retrouve mercredi. Salut à toutes et à tous. Bye bye. Terminé.